de la vie passée comme ça, parce que à force d'être dans la vie, on sait plus ce que c'est la vie, tu vois. Et peut-être que la voyez passer comme il s'est passé ces trois derniers mois, ben peut-être qu'on prendrait conscience de certains trucs qu'il faudrait arrêter de faire, quoi. Et voilà. Merci. J'apprécie votre soutien, parce que ça, c'est une lutte. Je veux dire, dans cette lutte-là, moi, je serai toujours derrière vous. Enfin, je serai toujours avec vous, tu vois. Et dans cette lutte-là, il ne faudra pas avoir peur de mourir. Et moi, de toute façon, je m'en fous parce que je suis mort. Parce que les choses, ça tient un peu de choses, la vie, les choses. Tu vois, ça tient un peu de choses. Parce que si on s'est séparé avec les douleurs, c'est parce qu'on s'est séparé avec ma femme. Je suis mort ce jour-là, moi. Elle est partie avec Ron, le guitariste, mon meilleur pote, quoi. Elle est partie avec lui, mais elle a bien laissé le soin de me laisser la môme avant de partir. Tiens, la môme. Et puis elle m'a laissé un mot aussi. Pourquoi je te montrais, quoi. Il est là, le mot. Mais je suis pas con. Je l'ai pas lu. J'allais très bien, si elle est plus dans le monde, j'allais très bien qu'en disant que je serais perdu. Et moi, je veux bien être perdu, mais pas sur Terre. Parce que sur Terre, il y a des ours derrière. Tu vois. Et moi, je veux bien être perdu. Et moi, je vais être perdu sur la mer. Parce que sur la mer, tu vois, tu prends ton bateau, et puis tu regardes devant, derrière, à bâbord, à tribord, et bien à 380 degrés, tu vois que du bleu partout. Tu vois du bleu jusque dans le ciel. Tu sais même plus où est la mer, tellement il y a du bleu. Tu vois. Et tu sais pourquoi tu es perdu. Parce qu'il n'y a personne. Et j'ai écrit cette phrase magnifique au lac de Gabre, sur un radeau, dans la 23, j'ai écrit. Pourquoi l'homme veut le monde dans ses mains alors qu'il est sous ses pieds? Parce que sur un bateau, tu vois, t'es là, là, on voit qu'il n'y a rien, tu vois, c'est du boulon, ça bouge pas, mais sur un bateau, tu tombes comme ça, tu vois, tu tombes, tu sens bien qu'en dessous, c'est vivant, tu vois, il y a de la vie. Et moi, c'est là que j'aurais voulu aller à Tanguay, quoi. Alors peut-être que je n'ai pas assez voulu, tu vois. Et peut-être même des fois, j'ai voulu rien encore vous dire. Et là, c'est comme si je vous parle. C'est comme si je me rends compte que depuis toutes les années où ma femme elle est partie, c'est comme si je m'étais planté des coups de couteau dans le vide comme ça. Et là, devant vous, tout de suite, je suis en train de les enlever. Et ça pisse la lave en illusion comme ça, tu vois. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Arthur. Bravo. Il dit, le poète, c'est celui qui dérobe le feu. Toi, c'est comme, toi, tu commences à écrire un poème et à la fin, t'as un album. C'est comme le peintre. Commence à dessiner un arbre et à la fin il y a une forêt. Bah, c'est comme le guitariste qui commence à jouer un morceau, à la fin il y a les doigts en sang, il ne peut plus s'arrêter. Ça, c'est comme ça, quoi. Ils sont tarés. Et bien c'est ce qu'on va faire. Je vais vous faire une chanson à la guitare, je vais vous faire le tube des Leaders qu'on faisait en 94 à la Cigale à Paris. Je vais vous le faire, je le connais par cœur à la batterie. Parce que tu vois, la musique, c'est comme dans le sport. T'arrives, tu joues, tu défonces et tu repars. Allez, c'est parti. Et là, vous pouvez provoquer, vous pouvez vous lever, il y a encore de la fumée. Allez, c'est parti. Ça va être bien garage. Ah!
Des deux pieds du chapeau. Et Johannes, je veux dire, il ne s'est pas passé tout ça au fond, j'en serais peut-être pas là. Et je suis quand même content d'être là avec vous à Embaumère ce soir. Je tenais à vous dire. Et je me dis, est-ce que je continue de penser? Je me dis que le mieux pour ne pas rester sur une fausse note, je vois que les enfants commencent vraiment à vouloir partir. Assieds-toi ou. Asseyez-vous, partez, faites comme vous voulez, ne restez pas entre les deux. Voilà. Tu sais, je vois que tu as envie de partir, mais je me dis le mieux pour ne pas rester sur une fausse note, c'est peut-être que je vous passe une chanson. Parce qu'on a enregistré l'album, et je me dis que peut-être le mieux c'est que je vous passe l'album. Comme ça, vous allez entendre la musique sommaire. Attends, tu vas l'entendre. Hein. Je vous passe la single, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout enregistrer. Donc je vous passe la une, Sabine. On met la une, comme ça, les enfants. Ah oui, non, mais la une. C'est dans l'ordinateur. Bonsoir. Salut, vous seriez mieux ici pour faire une photo.
Oh. Vous allez vous photographier, quoi? Mais c'est pour avoir le son surtout. Le son? Ouais. Parce que là, jusqu'à présent, il n'y a pas de son. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Si vous voulez faire une photo, c'est plus de venir ici, parce que là, vous ne voyez rien. Hein. C'est vrai que là-bas, ce serait plus en face. Eh oui, le spectacle, ça se passe là, c'est pas à l'intérieur. Oui, attention, il pleuvote, donc la pluie commence à tomber, je vais peut-être faire demi-tour. Vous avez, le gong qui vous sauve, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis un homme. Et tous les deux, on a le monde. Sur la terre, quand on s'y plonge, il y a ta mère et mes mensonges pour que tu rêves. Dire qu'elle revient avec la lune, connaître à demain ses pas sur la dune. Une vie sans l'air que je dois remplir, encore un verre avant de partir. Je suis sommaire. Je suis sommaire, c'est à l'enfer dans ma galère. Je suis sommaire, six pieds sur terre. Je suis sommaire en Corinthière. Les océans, le bruit du temps, dans mes eaux quand je te sers. La vie, ma mère. Je suis corsaire dans mes eaux imaginaires.